L'oncle missionnaire finit par s'amener après avoir séjourné dans un hôpital militaire de la Californie. On le remplume un peu, comme disait ma mère. D'abord, ce fut une grosse réception chez l'oncle Léon. Une si longue absence. Toute la parenté s'était réunie ce jour-là. L'oncle Édouard rentra épuisé dans son séminaire de Pont-Vio, mais non sans promettre à maman qu'il viendrait dîner à la maison le dimanche suivant. Ce fut l'événement traditionnel. Le génie de la famille Germain, le saint de la famille dans nos murs, pensez donc. Si Clément était là, il pourrait me conseiller. Depuis qu'il est serveur pour le buffet Montréal, il sait comment disposer les ustensiles, les verres à eau puis à vin. Énervons-nous pas trop. Ton oncle Édouard, c'est un homme simple, au fond. C'est pas lui qui passera des remarques désobligeantes et couvertes. Va, regarde pour la banderole que Clément a collée au mur tout à l'heure. Pensez que c'est du vrai chinois, moi? Je sais pas, Clément est tellement menteur depuis qu'il y a des blondes. Il a dit qu'il était allé chez le buandier chinois pour sa traduction. Non, ma jupe, t'as défaite le bord? Elle me descend quasiment en bas des genoux. Oui, ma fille, c'est plus décent. Nous recevons un prêtre, Muriel. Ne l'oublie pas. Mon Dieu, vous avez l'air énervé. C'est pas le pape qui vient dîner. Écoutez donc. Toi, il n'y a rien ni personne pour t'impressionner. Oh, hein? T'as une belle petite robe blanche, Muriel. Félicitations. Niaiseux. Et jamais assez courtichée à son goût, la Muriel. Clément, va chercher les bouteilles de vin qui sont en cave, puis fais ça vite. C'est ça. Pas aussitôt revenu du collège que déjà il faut vous m'atteliez. Hein? Dépêche-toi donc par être donc chialé, petit martyr manqué. Ton père est-il revenu de la messe? Ben, il me semble, il doit être en bas au restaurant, non? Pas danger qu'il monte, nous aider un peu. Clément, dis à ton père de monter. Maman, on a trouvé le plus beau petit chien. Il n'y a pas de collier, pas de médaille, rien. Puis il nous suit partout. Je pourrais-tu le garder? Oh, Marie-Paul, je t'en prie, un chien, Esther. Tu sais pas qu'on a un chat, non? À cause du restaurant, tu le sais pas? Verrais-tu ça, un chat et un chien dans la même maison? Maman, maman dit oui! Oh, fais-tu me ficher à tête? Mais écoute-moi bien, toi, là. Hein? Tu te connais. Pas de questions folles et impolies quand ton oncle sera arrivé. T'as compris? Moi, je suis franche. C'est ça qui vous embête, hein? Ma franchise. Mais moi, je dis ce que je pense. Vous autres, le grand monde, supposément, c'est rien que des façades. Par en avant, les beaux sourires, puis par en arrière, les jacasseries. Mais avec moi, le Marie-Paul Germain, on sait à quoi s'en tenir. OK, là? Mais... pas question que tu caches tes sentiments, ma petite fille. Il s'agit de savoir-vivre. Oh. Faisons-lui donc confiance, maman. Moi, j'ai bien plus peur au beau Clément. Tu le connais, lui, puis ses petites farces bêtes. Oh non, non, Clément va se tenir correct. Oui. Il y a tant d'admiration pour son oncle. Mon Dieu, c'est lui. Bon, Muriel, es-tu habillée? Clément, qui remonte pas, mais qu'est-ce qu'il fait, donc? Va répondre, Lucie. Oh, maman, ça me gêne, moi, les prêtres. Mais Lucie, à ton âge. Oui. Bon, là, j'y vais. L'arrivée du frère de papa ne fut pas une petite affaire. L'oncle Édouard était impressionnant. Son regard perçant derrière ses petites lunettes rondes, sa façon de parler toujours volubile, toujours prêt à fournir les renseignements exacts les plus complets, tout cela contrastait radicalement avec les gens ordinaires de notre entourage. Ce midi-là, maman le reçut comme son propre frère. Elle l'admirait tant et voulait tant qu'il la juge bien. Lucie faillit faire une génuflexion. Muriel fit du charme tout de suite. Elle en aurait fait à Saint-Antoine à personne. Marie-Paul fonça vers lui pour se faire embrasser et prépara ses propos embarrassants. Et moi, je me tins à l'écart, l'observant comme un objet curieux, exotique. Ah ben, papa, tu veux impressionner ton petit frère? Ouais, c'est pas mal sale. Me dépêche. Monte vite, il vient d'arriver, là. Ah, il est là? Ouais. Tiens, va vider la chaudière d'un cabinet. Bon. Qu'est-ce qu'elle a l'air? Pas trop fatigué de la petite fête de mardi dernier, il a l'air bien. Bon, papa, tu vas voir. Ah, ben... On parlait de toi souvent, Edouard, souvent. Pas vrai, les enfants? Ah, oui. Est-ce qu'il se passait une seule journée sans qu'on dise au moins un mot, sans qu'on ait une pensée pour l'oncle Edouard? Papa, surtout. Je pensais des fois qu'il aurait aimé aller vous rejoindre en Chine. C'est qu'étant l'aîné de mes frères, j'ai été un peu leur père à un moment donné. On avait perdu le nôtre si jeune. Moi, je croyais que vous étiez un vrai Chinois quand j'étais petite. Je me demandais même pas comment ça se pourrait faire que le frère de mon père aurait été un vrai Chinois de Chine. En fait, c'est Marie-Paul, ton... Marie-Paul. On devient un peu Chinois quand on passe presque 20 ans là-bas, c'est un fait. Oui, sur les photos là, que vous nous avez envoyées, vous aviez l'air encore plus Chinois que là, là. Marie-Paul, tu penses pas y retourner jamais en Chine? Je ne sais pas. Il y a ma santé qui est bien fragile et puis il y a les problèmes politiques. Avec Chiang Kai-shek, ça irait peut-être, mais il y a Mao Tse-tung. Tout ça, c'est des questions bien compliquées. Il y en a qui sont retournés en Mandchourie, des confrères de Pont-Vieux. Mais il y a ma santé. Ah, reste tranquille un peu. Tu t'es assez dévoué, mon pauvre Édouard. Laisse ta place à un plus jeune. On verra bien.
On m'a parlé déjà d'un poste du côté du Saguenay, du lac Saint-Jean. Oh, mon cavalier vient de cette région-là, mon oncle. Ah, tu as déjà un cavalier, Marcel. C'est Muriel, son nom. Ah oui, Muriel. Je vais m'habituer. C'est un beau garçon, je suppose. Bah, rien de sérieux. C'est un ami, comme ça. Ah, c'est assez sérieux. Et toi aussi, Lucille, tu as... Lucille, mon oncle, pas Lucille. Ah, excusez-moi pour tous ces mélanges. Tu as aussi un cavalier, j'imagine. Oui. On parle de se fiancer peut-être au printemps prochain. Ah, bien, c'est bien. Et Clément a fait un cours classique? Oui. Oh, il va sûrement faire un prêtre, lui aussi. Bon, c'est loin d'être certain, hein, maman? Marie-Paul, on sait pas trop, Édouard. Il est à l'âge ingrat, difficile. Oui, aime trop les filles, hein, Muriel? Oui. C'est l'âge des doutes. Hein, bonjour, Édouard. Ah, Edmond, mon petit frère. On n'a pas eu le temps de se parler tellement mardi. Hein. Ah, il y avait tant de monde. Ah, on va se reprendre aujourd'hui. Je me suis tant ennuyé de vous autres. Si tu savais, il y avait des jours, des soirs. Moi, les cérémonies, là, c'est pas mon fort. Je tremble la main droite, maman, puis je renverse du Porto sur le plateau d'argent. Pauvre, je n'énerve pas tant que ça. On n'est pas le Ritz-Carlton, on fait juste notre possible. Tiens, laisse-moi les verres à vin, puis je t'occuperai de l'étiquette. Tu reviendras chercher les assiettes d'olives, de céleri, puis de sardines, hein? Bon, j'y vais. Est-ce que tu veux, toi? Rien. Mon Dieu, je pensais que je pourrais aider. Ah, ça, c'est l'oncle Léon. Ah, oh, j'y vais demain, mon oncle préféré, j'y vais. Mais c'est ça, vas-y, puis fais-le passer au salon. Muriel pourrait bien venir, elle, pour les hors d'œuvre. Elle a mieux se faire servir, t'as connaît. Oh, Seigneur, ça y est, je renverse même la liqueur à cette heure. Écoute, Lucie, ton oncle, Édouard, c'est un homme simple. Eh, hey, mon cher petit frère, bonjour. Bonjour, Zafa. Salut, mon oncle. Eh, sais-tu, ça me fait drôle. On était des années sans pouvoir se voir, séparés par l'océan Pacifique. Puis là, dans la même semaine, on se voit deux fois, on peut se toucher. Les lettres et cartes postales, c'est pas mal fret, hein? Je suis content de te revoir, mon petit frère. C'était le bébé de la famille, vous comprenez. J'étais toujours plus inquiet à ton sujet que pour Edmond. C'est fou, hein? Oh, t'avais pas tort, Édouard! Ton petit frère, Léon, il faut le surveiller tout le temps. Gertrude, ça a été presque une deuxième mère pour moi au début. Pas vrai, Gertrude? Grand fou, va. Tiens, prends un verre de Porto, ça va t'ouvrir l'appétit pour mon Rosby. Bien saignant, comme tu l'aimes, Léon. Eh oui, Edmond s'est marié très jeune, comme tu sais. Merci. Moi, je vagabondais. J'avais délaissé l'Académie Rousin. Oh, notre mère était découragée. Mais c'est elle, là, ma petite belle-sœur, qui savait me parler, me raisonner. Elle m'a ramené sur le droit chemin, Édouard. Salut. Je vais vous dire une chose curieuse. À Zepinkai, à Mandchourie, il y avait un infirmier chinois qui ressemblait à votre oncle Léon. Deux gouttes d'eau. Il a accepté les yeux, hein? Sérieusement, Léon, ce bonhomme-là, notre dispensaire, me faisait penser à toi. C'est comme si t'avais été là un peu. Et comme toi, il était toujours de belle humeur, taquinant tout le monde. Quand les Japonais nous ont attaqués et fait prisonniers, il était encore tout souriant. Il nous rassurait. Il avait le don de réconforter tout le monde. Tu sais, des types comme ça, dans le malheur, c'est une merveille. Vous avez dû souffrir beaucoup tous là-bas à ce moment-là. Hein? Racontez-moi, racontez-nous ça, l'arrivée des Japonais, mon oncle. Écoutez, là, peut-être qu'Edouard, il n'a pas envie de se rappeler tous ces mauvais jours. Hein? Moi, j'ai prié pour vous souvent. Puis toute la classe, on a fait des prières quand ils vous ont bombardé aux Philippines. Philippines, Marie-Paul. Philippines. À Davao, c'est un bien triste souvenir pour vous autres, je suppose. Mais quand les Américains sont arrivés là, pour vous délivrer, Ça dû être un beau jour. Ah oui, vous auriez dû voir ça. Les prisonniers chantaient. J'en ai vu qui se sont levés et qui couraient dans la cour de la prison en riant comme des fous. Des gens qui ne bougeaient plus depuis des semaines, pourtant. Bon, eh bien, on va parler de l'avenir, si vous voulez, hein? La guerre est finie, puis mon roast beef, lui, est prêt à être mangé, hein? On va s'installer. Passe pas de remarques, Édouard. Tu sais, on n'est pas riche. On n'est pas riche, mais on vit bien. J'ai su que t'avais perdu ton père, Gertrude, il y a pas longtemps. Oui, Édouard. Pauvre papa. Il est au ciel, c'est sûr. Bon, ben venez manger. Oui, j'ai les laisse à mon étalon. Marie-Paul, laisse passer d'abord la visite. Oh, bénissez-nous, mon Dieu, ainsi que la nourriture que nous allons prendre. Ainsi soit-il. Vous savez manger avec des baguettes, mon oncle, évidemment. Oui. Même que je dois dire qu'à mon retour à l'hôpital américain, j'ai eu du mal à m'habituer à nos ustensiles modernes.
Le rosbif devait pas être trop fréquent en Chine. Tu peux le dire. Mais l'estomac s'habitue au changement. Et c'est les mets d'ici que je digère mal maintenant. Je dois manger très lentement, vous m'excuserez. J'ai pas fait de soupe, mais un dessert surprise pour toi, Edouard. J'ai fait de la tarte à farouche, d'après une vieille recette de ta vieille mère, Albina. Tu vas voir, ça s'appelle un milkshake. Tu vas aimer ça? Ça te fait un beau petit magasin, je te félicite. Les décorations et tout. Ah, je te reconnais bien là, Edmond. T'as toujours aimé barbouiller partout, pas vrai? Ah, ça tu peux dire, Edouard. Il arrête pas de mener. Il y a toujours le pinceau à la main. Tiens, goûte-moi ça. Je vais te montrer quelque chose, Edouard. Tiens. Regarde. T'avais fait ça dans ta jeunesse. Quand tu viens, Edouard? Maman l'avait gardé. Ça fait longtemps que je suis pas allé dans ma petite patrie, à la maison de notre jeunesse, à Laval des Rapides. Hé? Hey? Ben là, je vais m'acheter une automobile bientôt, là. On va y aller tous les trois. Edmond, tu vas pouvoir te libérer? Eh ben oui, Edouard. On va y aller chez petit gendarme. Ah, tu sais, la maison est toujours là. Les enfants de papa, ils n'ont pas changé grand-chose. Il n'y a rien que j'aimerais plus que ça. On pourrait peut-être, si tu veux, Léon, passer par Laurent du Bois-Franc à Cartierville pour voir la maison paternelle. Certain. À moi, le plus jeune des trois, ça me dira pas grand-chose, mais si ça vous fait plaisir, moi, ça me fait plaisir. Hey, il est bon, hein, ton milkshake? Oui, ça a le goût des œufs battus de notre mère. On dirait que plus je vieillis, plus les choses de notre enfance me reviennent. Ouais. Mm. Bon, ben on va remonter, hein. Gertrude va nous servir un petit digestif. Ah, que t'as fabriqué, Edmond? Ta recette de crème de menthe? Maman aimerait que vous montiez maintenant. Ah, ben justement, on remontait. Et Clément, quand as-tu congé prochainement? Mardi après-midi, mon oncle, pourquoi? T'aimes le dessin, il paraît? Je vais te faire un petit cadeau, Clément, si tu viens me voir au séminaire. Un pantographe. Un quoi? Tu vas voir, ça va t'être utile. Je vais te montrer à t'en servir. C'est un appareil très simple. Ben non. Qu'est-ce que tu vas chercher là? Je te connais. L'influence pour la vocation, hein? C'est ça. Tu l'as envoyé voir son oncle au séminaire? Ben non, je te l'ai dit. C'est lui, Edouard, qui a arrangé ça l'autre jour avec Clément. Il va être envoyé au lac Saint-Jean, puis il veut se débarrasser de ses bebelles. Dont une patente, là, pour agrandir des dessins. Il part pour le Saguenay. Il trouvera pas ça chaud par là, si vrai? Non. Tu sais, la Mandchourie, ça devait pas être un pays tropical. Remarque que, s'il veut y parler vocation, moi, je serais pas con, tu sais. Bon, tu y viens. Essaie donc, Edmond, de regarder la réalité en face pour une fois. Clément, c'est pas un garçon studieux. Il arrive pas à se concentrer plus que 10 minutes à fois. Puis il est fou des petites filles. Mon Dieu, Gertrude, t'en parles comme d'un vrai dévergondé. Saint-Paul aussi est un viveur, puis il a trouvé son chemin de damas. Vas-y, c'est Saint-Paul qui vient en cours. Bon, voyons, Gertrude. Ah, bonjour, Clément. Bonjour. Donne-moi ton imperméable, je vais l'accrocher. Veux-tu un petit verre de vin? C'est notre homme de confiance, Gédéon, qui m'en a donné. Il est bon, il le fait lui-même. S'il vous plaît, mon oncle. J'étais un peu surpris par la pauvreté des lieux. Cet oncle, que je ne connaissais que par ses lettres et ses cartes postales, était le héros de notre famille. À la maison, on en parlait toujours avec respect et admiration. Il passait pour une sorte de génie. Prix Colin, prix Prince de Galles, il avait composé un immense dictionnaire français-chinois, il fabriquait des orgues en Chine, il jouait du violon, il traduisait et adaptait du grec ancien toutes les épîtres de Saint-Paul, et il vivait ainsi dans cette pauvre petite chambre. J'ai hâte que je te fasse voir mon petit cadeau, hein? J'aime faire du dessin, comme vous, mon oncle. Voilà l'objet, Clément.
Tu vas voir, ça travaille bien. Viens voir comment ça fonctionne, un pantographe. Regarde, tu vas pouvoir reproduire et agrandir à la mesure que tu voudras toutes les images que tu choisiras. Maintenant, il est 2h10. Clément est bel et bien arrivé au séminaire. J'espère qu'il va se montrer intelligent et qu'il va faire bonne impression sur Édouard. Clément n'a pas de mauvaise manière. Pourquoi dis-tu ça, dis-nous? Le langage. Des fois, il pourrait s'échapper. Voyons, exagère pas. Ton frère Édouard n'a rien d'un prêtre étroit et scrupuleux, ça je l'ai toujours dit. En Chine, tu sais, il a fallu qu'il envoie toutes les couleurs. Tu l'imagines bien? Je vais te le dire franchement. J'aimerais ça bien gros que Clément devienne prêtre puis missionnaire comme Édouard. C'est mon rêve, Gertrude. Comme je vous disais dimanche, lentement, je me réhabitue au pays. Qu'est-ce que tu veux? C'est pas facile. Un autre monde et tout a changé tellement. Le trafic partout. Là-bas, Arvida, au fond, je serai plus à l'aise. C'est un pays plus calme qu'à Montréal. Qu'est-ce que vous allez faire à Arvida, mon oncle? Rien, me reposer. Ma santé en a pris un coup dans le camp de prisonniers japonais, tu sais. Je serai aumônier pour un couvent de religieuses. Vous allez pas vous ennuyer là-bas? Je vous écrirai plus souvent. Et puis, j'apporte mon ouvrage de traduction sur Saint-Paul, ça m'intéresse beaucoup. Plus j'avance là-dedans, plus je découvre mon bonhomme. Tu sais, il est méconnu, mais estimé Saint-Paul dans l'Église, et c'est regrettable. C'était un missionnaire hors de l'ordinaire. Moi, j'aurais pas la patience. Tu tiendras pas de moi? Tu dois ressembler à Léon, toi, Clément, et à ton grand-père Germain. On l'a pas beaucoup connu, notre père. Il s'est tué jeune à l'ouvrage à Cartierville. Mais on m'a dit qu'il était toujours en train de rire et de faire des farces. Mon père aime ça aussi, en faire des farces. Ah, il m'en a conté des bonnes. Ce que vous faisiez à Laval des Rapides, jeune. Ah oui, ton père aussi était farceur et bout en train, mais ton père, je sais pas. Il est mélangeant. Certains jours, il était triste comme la mort. Il restait assis sur la galerie de Pépère de Rome à jongler. Le lendemain, il était tout feu, tout flamme. Parlait de monter jusqu'à Sainte-Thérèse en raquette par les chemins du Nord. Je suis comme ça, moi aussi. Des fois triste, d'autres fois bouffon. Et tes études au Grasset, ça va bien? Pas fort. Non, vraiment pas fort. Oh, en grec, j'aime bien ça. J'ai des fameuses notes là-dedans. Mais les mathématiques, là, je suis un gros zéro. Qu'est-ce que tu souhaites faire plus tard? Y as-tu songé? Non. Mon père aimerait que je fasse comme vous, un prêtre. Et toi, Clément, toi, qu'est-ce que tu penses? Je sais pas trop. T'es gêné de me le dire, hein? Tu penses que je souhaite la vocation pour tous les petits gars de la province, hein? Ce serait normal. Moi, Clément, j'aurais voulu enseigner. Devenir professeur, c'était ça ma vraie vocation. Ah, et puis tu sais, dans mon temps, on concevait l'esprit de sacrifice d'une drôle de façon. Oui, oui, il fallait refuser ce qui nous plaisait, aller au-delà, refuser ce qu'on appelait la facilité. Alors, pour me sacrifier, me mortifier, j'ai décidé de devenir prêtre, puis missionnaire. Ah, ta grand-mère Germain en a été folle de joie, tu imagines? Ah, et puis, je ne regrette vraiment jamais rien. Je suis bien fait de ce côté-là, Clément. Ah, mes écureuils ne me lâchent pas ces temps-ci. Ils sentent venir l'hiver. Ils veulent toujours plus de provisions. J'ai réussi à apprivoiser un petit Suisse noireau, amené ici de Belgique, à ce qui paraît. Ah, il vient souvent jusque sur mon pupitre, va sous mon lit, partout. C'est lui qui avait gossé cette statue-là. Édouard devait avoir 18-19 ans. Il est venu passer 15 jours de vacances du grand séminaire à Laval des Rapides. Il était doué en n'importe quoi. Tu trouves pas, Gertrude? Regarde ça comme c'est bien fait. Tu l'admires donc, ton petit frère. Hein, non? Non, mais regarde-moi un détail de ça. As-tu bien regardé, Gertrude? Hey, va examiner ta statue ailleurs. J'ai le souper préparé, moi. Il est presque 5h30, puis Clément n'est pas encore revenu du séminaire. Je le savais qu'il aimerait son oncle Édouard, qu'il aimerait ça parler avec lui. C'était une balle, tu sais, c'était une vraie balle. Oui, oui, oui. Prix Colin, prix Prince de Galles, tu me l'as dit 100 fois. Veux-tu aller ailleurs? Hein, si un client veut venir.
Quel embarras, un homme d'une maison! On va le réinviter avant son départ. Tu veux bien, Gertrude, parce qu'il va bientôt partir pour le Saguenay? Oui, ça me fera plaisir. Peux-tu bien me dire à quelle heure il va nous revenir, notre Clément? Pour moi, là, c'est la grande conversion en règle. Encore des illusions, Edmond. Bon, ben, je suis content de toi, Clément. T'as été franc, en fin de compte. Si tu finis tes études, tu deviens avocat. Défenseur des pauvres, des veuves, des orphelins. Et si ça marche pas au collège, ainsi, tu songes aux arts, oui. Aux beaux-arts. Eh bien, l'important, c'est que tu sois heureux. Mon oncle, vous êtes bien moins achalant que mon père, au fond. Vous m'avez surpris aujourd'hui. Merci pour votre grande sœur, mon oncle. Et tu m'enverras au moins une copie de ta première réussite. Oui. Tu salueras tes parents et dis à ton père de me téléphoner. Oh, as-tu un bout de papier? Je vais te donner ma future adresse à Arvida. Bon, oui, je peux avoir un papier. Tenez. Si on essayait d'entrer à la taverne cet après-midi, Laura. Clément, t'es pas un peu jeune pour commencer ça? Ça doit être un tour qu'on a voulu me jouer, hein? Vous savez bien qu'il n'est pas question de ça à notre âge. Bon, c'est pas grave. Pourvu que vous flanchiez pas. Ouais. Bon, ben, merci pour tout, mon oncle. Es-tu venu à bicyclette? Ah, non, j'ai marché le pont. Je suis venu par le tramway antique jusqu'à la Montée-Calais. Bon, ben, bonsoir, mon oncle. Bonsoir, Clément. Bon, ben, Edmond, veux-tu que je te donne à manger avant que des clients arrivent? Écoute. C'est Clément. Ça va, Clément? Ah, oui, ça va. Éloigne-toi pas, là, on va manger. Ben, non, maman, j'arrive, je repars pas. Ça s'est bien passé avec ton mononcle Edouard? Ça a été extraordinaire, papa, vraiment extraordinaire. Tu vois, il s'enferme dans sa chambre. Je te dis qu'il l'a secoué. D'habitude, il jette ça à la table pour manger. Moi? C'est vrai, ça. Je vais voir ce qu'il a. Non, laisse-les faire. Laisse-les rentrer en lui-même. C'est bon. Il médite les paroles de son oncle. C'est pas normal, ça. Juste savoir ce qui se passe. Oui? J'avais hâte d'essayer sa patente, maman. Puis, qu'est-ce qu'il fait? Il médite, il réfléchit, hein? Oui. Grâce à ton frère, Édouard, il est en train d'agrandir sa blonde, Michel. Hein? Il agrandit sa blonde?